C'est bon, le temps que tu remontes le panier de là-bas, il y a lui qui va perdre, donc c'est bon. On va pas aller du mieux, ouais. Boum. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau vlog, vlog numéro 11. Alors ce week-end on joue contre Saint-Laurent à la maison. Étant donné notre ratio défaite-victoire, on n'a pas intérêt à perdre. On est toujours en effectif réduit, c'est un peu le même groupe qu'à Grenoble, sauf que Emile reprend enfin. Voilà, il va rejouer depuis combien de temps? 3 semaines, 3-4 semaines je crois. Ouais, non, t'es malade, toi, ça fait plus de 2 mois. Bref, ça va faire du bien à Thomas au niveau de la main, parce qu'il est un peu solo depuis. Ce soir, entraînement. Avant l'entraînement, là, on va en muscu comme le dernier vlog. Si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. À liker la vidéo, à commenter, je réponds à tout le monde en commentaire. Tu te la fermes un peu, s'il te plaît? Prochainement, je vais faire une FAQ, donc poser les questions sous la vidéo et j'y répondrai en vidéo. C'est parti pour le vlog et avant de commencer la vidéo, dernier petit truc. Prozis, c'est le nouveau partenaire de la chaîne sur les vlogs. Donc c'est une marque orientée sur le sport, aussi bien au niveau des textiles, des vêtements, il y a de tout, que sur les compléments alimentaires, des accessoires, etc., etc. Par exemple, vous avez ce t-shirt à moins 10% avec le code LUCVB, mais aussi pour le short, les chaussettes et la gourde. C'est plutôt quali, donc je vous invite à aller voir, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Puis voilà, ouais, écoutez, en 10% avec le code LUCVB, place au vlog. Vous étiez en train de faire quoi? Sans s'appuyer sur la jambe, faut soulever la barre avec. Ok, ouais. Qui gagne, il gagne une boîte. Si, j'ai appuyé là. Tu t'es appuyé sur ta jambe et t'as monté. Ah ouais? Oui. Ah en plus, là, tu. Oh. Et essaye, wesh. Oh. Travaille sérieusement. Travaille sérieusement? Oui, il y a de l'eau. Là-bas, oui. Dans ta cour de Prozis. Heureusement que j'ai amené ma cour de Prozis pour pouvoir boire. Oh. Oh. Aujourd'hui, moi, je fais les jambes. Est-ce que t'as besoin d'une cour de Prozis pour pouvoir boire quand tu fais tes jambes? Prozis. On s'est un peu reposé avant l'entraînement. J'ai un peu taffé sur les vlogs. Ça, c'est mon chat. Regarde ça. Oh oui. Boum. Shazam. Oh, oh là 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 là. Oh, elle est trop dessus aussi. Bon, entraînement fini. Y en a un qui a fait le malin pendant l'entraînement, qui a beaucoup ouvert sa bouche. On va régler son compte. Emile, tu filmes le lavage. Allez, cassez-vous là. Y'a un contre un là. Merde quoi. C'est bon, le temps que tu remontes le panier de là-bas, y'a lui qui va perdre, donc c'est bon. Oh non, il a osé. C'est pas du bégon pour les cafards. C'est pas du bégon. Oh, les doigts dans l'œil. Il a marché. Il a marché. Je fais la fin de tout seul. T'as pas
Fort de moi. Oh. Oh, c'est vrai. Oh, non. Oh. 4-3. Gail. Hop. Comment boire Yanis? Prozis. Comment boire Yanis? Comment? Oh, il t'a comment bu. Boire Yanis avec Prozis? Oh, il t'a bu dans la gourde Prozis. Bon. Comment les... Game D, c'est parti. Là, on va à la salle Gun en Afrique. T'as la R2 qui joue avant, il y a des animations, donc c'est le téléthon, enfin, c'est une soirée un peu spéciale où il y aura pas mal de monde. Ça va être un patoche pour le basket club de Bandol. Bah nous, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Saint-Laurent. Donc on gagne, sinon c'est la merde. Tiens, ouais. Tu vas dire. Si on habite dans le sud, il pleut sa mère. Comment on est où? Il pleut, ouais. Non, il fait pas ça. Non. Si. Ah mais c'est pas normal ça. Je suis le bien là. Et regarde. On est où là? Je suis habite dans le sud et on voit pas ça. On voit pas les lieux avant. Passe toi. Oui. On gagne. Ça y est, lâche-le, wesh. Ça va. C'est la BBC ou pas?
Le pause. Le pause.
J'étais en train de regarder les vlogs de l'année dernière à Levallois, en espoir. Ça m'a mis genre une claque dans la gueule, mais d'une force. On se rend compte à chaque fois, bien après, malheureusement, qu'on avait de la chance d'être là où on est. Et qu'il fallait profiter à fond, et peut-être que... Bref, mais du coup, ouais, j'étais en train un peu de repenser à tout ça. Grosse remise en question en ce moment. Puis en revoyant les vlogs de l'année dernière, je trouve perso que c'était 10 fois plus quali les vidéos de l'année dernière que là j'ai regardé les 2-3 derniers que j'ai fait à Bandol. Et la différence sur le montage, sur la qualité du vlog et tout, c'est une dinguerie. Et le fait de perdre pas mal de matchs en ce moment, que la saison se passe, bah on va dire, ah, je vais pas me le cacher, plutôt mal au niveau des résultats et tout, bah ça, forcément il y a des tensions dans l'équipe. C'est compliqué. Et bref. Voilà, et du coup, c'est peut-être que c'est à cause de ça aussi que la qualité des vlogs baisse, et que en ce moment, c'est un peu dur tous les jours, donc au basket et tout, et du coup, tout va ensemble, quoi, et bref. Mais l'année dernière, c'est pas pareil, on peut pas comparer, là, c'est le monde, on va dire, des adultes. L'année dernière, on était entre jeunes, on avait tous le même âge, mais l'ambiance qu'il y avait, c'était incroyable, c'était tellement bien. Et ça, je me rends compte de ça que maintenant, quoi. Ça, genre les gars, ils manquent de ouf. Vous allez avoir des belles vidéos qui vont arriver par rapport à ça. Je parle de tout en même temps. C'est rien. Y a rien qui est cohérent, qui est construit. Pour revenir au match, ouais, de ce vlog, on est passé solidaire et sur le terrain, collectivement, on n'a pas joué correctement. En face, on peut peut-être dire qu'ils étaient moins forts individuellement au niveau de chaque poste, mais eux, ils ont joué ensemble. Et voilà. Ça a fait la diff. On a mal joué. Bref, j'ai rien d'autre à dire sur le match. J'ai pas envie de m'étaler dessus. Faut juste gagner là, parce que pour parler de la saison, parce que si on continue à perdre des matchs comme ça et qu'on se met pas sérieusement à se réveiller, on va dire, la descente en pré-national, faut faire attention. C'est un moment, on va dire, vers le bas, et là faut remettre, faut remonter vite là. Donc, je vais remettre un gros boost. Je vais essayer de faire des vlogs méga quali. Je vais me donner, et voilà. Bref, je sais pas si vous verrez ces séquences. J'ai juste pris à allumer la caméra et je me suis dit, je vais te dire ce qui me passe par la tête. À la semaine prochaine pour le prochain vlog, la prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Je vous souhaite tout le meilleur à ceux qui me suivent depuis le début. Croyez en vos rêves, croyez en vous, tout est possible. Et voilà. Comme ça, on finit sur du positif. Allez, à plus.